Ah mais non, c'est ma prison ça. Je suis con. Moi je me fais emprisonner ici si je... Et j'arrive là, d'accord. Qu'il y a un endroit que je ne reconnais pas. Enfin si. Enfin c'est ici, c'est un peu évident que je suis de l'autre côté du machin, mais... Encore un éléphant, un serpent, éléphant, n'importe quoi. Des fois, je me demande. Ah, je peux le toucher, je peux le toucher, je peux le toucher si je le tourne bien. Oh, avance. Ouais. Là, t'es juste en plein dans les herbes et tu peux l'avoir. Voilà, ça c'est la puissance. Ah, excuse-moi, tu peux pas sauter comme ça. Oh là là, ce saut de la mort. S'il y avait de la lame, on aurait été mort là. C'est pas grave, on continue. Ouh, on va voir ce qu'il y a dans la dalle. D'accord, t'es en prison. C'est génial, ça donne envie d'aller en prison, ça. Parce qu'en fait, c'est pas si con que ça, parce qu'en fait, quand tu arrives en prison, tu es là, tu sais pas comment t'enfuir forcément, hein, puisque t'es coincé. Et du coup, tu vas à la grille, tu te dis bon, bah je vais ouvrir la grille, et ben pouf, et ben non, c'est dans le sol. Haha! Magie! Les serpents qui sont réapparus, j'y avais pas pensé, merde. Et que du coup, j'étais très con, parce que du coup, je vais devoir passer. Oh! Je vais devoir passer par le pont et faire le tour. Youpi! Attends, il faut que je prenne ça. Alors, non, trop proche. Voilà, bon, ça me fait gagner de la magie que j'ai perdue. J'ai récupéré toute ma magie, tiens. Et saute! Oui, ça c'est le saut réussi. Tac. Tac, tac. Le monsieur, bon, il nous fait rien, comme si on était normal. Tant mieux, hein. Tant mieux pour nous. Et on sort par les égouts de nouveau avec le serpent qui m'a l'air, je pourrais pas le toucher, faut que je tombe. J'aime pas quand ils sont mobiles. Tu te calmes, laisse moi te tuer. Attends, peut-être je peux le faire comme ça. Est-ce que je peux? Mais allez, allez, je veux te donner coup de poing, serpent. Tiens, 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 tiens. Comment ça? Mais oh, je te donne des coups de poing, des coups de pied, quoi. Je te fais des super machins. Voilà, tiens. Je récupère même pas ma vie que j'ai utilisée. Mais bon, je l'ai fait. Voilà, je me sens victorieux. Je me sens le mal alpha. On avance. Rien, et là c'est quoi? Par mesure de sécurité, cette grille d'égout ne s'ouvre que de l'intérieur du musée de la marine. Oh putain. Sérieux, j'ai fait tout ce chemin pour rien? Tant pis. De toute façon, faut que je fasse le tour. Oh, ah, faut que je fasse le tour pour visiter. J'ai perdu le fil de ma phrase. Il faut que je fasse le tour pour visiter le reste de la ville, finalement. Je pense que dans le reste de la ville, il va y avoir tout. Arrête de te prendre le mur! Je pense que dans le reste de la ville, il va y avoir tout ce qu'il faut. Mais dégage! Voilà. Il faut 3 coups de poing alors qu'il faut 2 coups de balle magique. C'est quand même dingue. Saute. Oh non, raté. La dernière fois j'avais perdu une. Oh,
J'ai perdu une demi-heure sur les sauts et j'ai eu 3 game over, je crois. Sais pas, j'ai pas compté, j'étais tellement énervé. Saute. Voilà, ça c'est du talent. Mais non. Là tu vas vite, voilà, c'est bien. Là tu passes par là et c'est bon. Voilà. Là on est content, là on est heureux. On va au musée, on est content. Bon, on est obligé de passer par le haut finalement. Donc on va passer par le haut. On va voir ce qui se trouve ici du coup, parce que je ne sais pas. Je pense pas que ce soit la prison, il n'y avait pas de porte. Ah si. Je n'ai rien dit. On va tuer celui-là. Voilà. Il a eu le temps de me tirer dessus quand même. Voilà ce qui est écrit. Poste de garde 24 heures sur 24, ne pas réveiller. L'humour. Et oui, c'était une petite dose d'humour. Oh, encore un mec déprimé. Je m'intéresse à l'histoire du pirate le borgne. Je connais pas. Tiens, finalement, vous aussi, vous êtes venu sur l'île Proxima. Ah, voilà ce que Vous j'étais en vous train de me souvenez dire. de moi? Je vendais sèche-cheveux. Allez, je vous en vends un à 30 cash. Parce qu'ils partent mal aujourd'hui. Moi, ça Oui, m'intéresse. j'achète. Ah, vous n'avez pas assez de cash. À plus tard. Combien j'en ai? Oh putain, j'en ai que 10. Ah, pour avancer, il faut des sous. Wow! Non, oh, une moto. Une moto, je vais me faire trucider. Oui. C'est pas très très grave. Je suis pas trop fait trucider. 15 cash cours. Où veux-tu aller? D'accord. On verra plus tard. Où veux-tu aller? Vers la pierre de Non, je ne veux l'église. pas y aller. Oh, bon, ben vas-y, et puis on verra, c'est peut-être Johnny, hein. Qui sait? La pierre de l'éclipse. C'était pas voulu, hein, le fait d'y aller, mais bon. Je pense qu'il y a plein de petites zones là où on pourrait y aller. Pardon. Je pense qu'il y a plein de petites zones où on pourrait y aller. Je suis la pierre de l'éclipse, la clé de la pierre scellée et Burps. Quel est le mot qui doit me délivrer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que. Comment dire? Je pense qu'on peut utiliser Jetpack dans cet endroit, dans ces endroits-là pour pouvoir Le avoir des jour informations. viendra où parmi les espèces présentes ou futures, quelqu'un se lèvera et celui-ci Pas dira: pouvoir récupérer des Ce objets. monde est désormais mien et les clés du pouvoir m'appartiennent. Ce jour viendra car l'avidité et la violence sont communes à toutes les espèces de l'univers. Si ce jour-là, le péril est trop grand, l'élu se fera connaître. Il se dressera contre le tyran et l'abattra. Il libérera et réconciliera les peuples. Car au fil du temps, ses ancêtres auront rassemblé chez lui des armes et des enseignements pour sa victoire. Toutefois, pour triompher, il devra posséder quatre symboles magiques: la tunique, Je me le demande si livre j'ai de Bull, le médaillon de le Sendel livre. et un flacon d'eau claire. Le jour du péril, Sendel viendra dans son sommeil annoncer à cet héritier que l'heure du combat final a sonné. Il devra alors se rendre au puits de Sendel où il lui confiera ses pouvoirs. On n'y est pas encore au puits, hein. Et Burbs, pour l'instant, on n'y est pas encore non plus. Il y a un peu de vent dans mon micro. D'où le vent. Où veux-tu aller? À À Proxim City. Proxim City. À Proxim City. Avant que je me fasse tuer, c'est bon. Je contourne. Est-ce que je peux y aller à pied? Non. Oh, la moto, elle aurait dû me protéger, enfin. Allez, allez. Fais un coup et je meurs, hein.
faut des sous, des petits sous, toujours des petits sous. Des petits sous, des petits sous, toujours des petits sous. Ne te prends pas de mur, s'il te plaît. Tu crois que... Oh, c'est joli. Très joli rebondi. Allez, meurs, on n'a pas que ça à faire. De la vie. Putain, il me faut des pièces, gars, il me faut des pièces. You know. Some cash. Some cash in cash. Oh, une voiture. Où veux-tu aller? Vers la pierre scellée. Vers la pierre scellée. Allons voir ce qu'il y a à cette pierre scellée. Il est magnifique dans sa voiture quand même. Twinsen. Pour l'instant, que quick. Où veux-tu aller? Proxim City, enfin. Faut quand même utiliser tout un bidon d'essence pour mettre comme ça. Il faut quand même utiliser tout un bidon d'essence pour pouvoir aller d'un trajet à l'autre, alors que c'est peut-être à 3 minutes à pied. Hein. On va courir et on va sauter. Voilà. J'ai pas envie de tuer les gens. Ah, ça a l'air d'être le ça a une bonne tête de musée, ça. Ah, impossible d'ouvrir sans carte rouge. Youpi. Ah, il y avait un autre endroit où il fallait une carte rouge. La carte rouge. Musée de la marine, tarif. Enfant 3 cash, adulte 5 cash. J'aimerais bien avoir des pièces d'abord, c'est possible. Voilà, là tu m'en donnes 12. Mais non, pas une. Je te rappelle qu'il me faut 35 cash là-haut. Il me faut de quoi. Je peux pas rentrer pour l'instant. Il me faut de quoi acheter un billet. Tenue correcte exigée. Bon, ça va en tenue, en tunique, c'est une tenue correcte quand même. Bon. Il me faut de quoi rentrer, donc 5 cash. Et il me faut de quoi acheter un sèche-cheveux. Donc 30 cash. S'il a pas augmenté les prix depuis. Ce petit. C'est pas grave. On en est à 26. Allez, il m'en faut encore 9. 9 petits cash. Neuf petits cash. On va aller trouver les cash. Ah, il y a une poubelle là. C'était déjà fermé là. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Ah, des sous. 5 aussi. Non, arrêtez avec 1. Donnez-moi 5. Bon, c'est pas très grave. On va aller autre part. On va revenir. On aura les 5 caches à nouveau. Et vice versa. Et vice versa. Donc, lui, c'est le créateur. Le créateur, le. Mais comment ça s'appelle? L'inventeur. Il devait avoir été pour ta charme. J'étais sûr. J'en étais sûr et certain. Le piège. Allez, meurs. Voilà. Avec une clé, tiens. Ah, mais tant mieux, ça m'arrange. Je sais pas quoi va me servir la. Enfin, je sais pas quoi ça va me servir de rentrer, mais. Ça peut être intéressant. Allez, on rentre. Allez. Il était enfermé. Et il veut pas sortir de chez lui quand même. Je m'intéresse à l'histoire du pirate le borgne. Mon frère a été arrêté et la maison est surveillée. Trafic de fausses cartes rouges. Mais toi, comment es-tu entré et qui es-tu? Je me nomme Twinsen et je suis l'héritier. Voilà. Voilà. J'en suis ravi pour toi, Twinsen, mais mon frère est emprisonné dans le QG de Funfrock. La fenêtre de sa cellule donne sur la rue. Frère, alors, si peu, tu pouvais me donner de ses nouvelles, tu gagnerais une carte rouge en échange. Ah, ça m'intéresse, ça. QG de Funfrock. Oh, purée, il faut retourner à de machin, là. Bon, allez, on y retourne. Non, je retourne pas dans l'île, hein, je vais...
QG de Fenfrock, logiquement c'est Proxima, donc du coup ça doit être ici. Ou je ne sais pas, mais c'est ici. Ah, regardez, il y a un petit espace là ici qui m'a l'air. Ah non, c'est juste rien du tout. Bon, on peut toujours. Arrête de te prendre des murs, tu vas mourir à un moment. J'ai perdu deux vies avec cette connerie. Une corbeille. Ah, ça m'intéresse. 5, ouais, bien, il m'en manque plus que 2. QG de Fenfrock, QG de Fenfrock. Non, ben non, c'est pas ici, hein. Voilà, il m'en manque plus qu'une. Fort, je suis passé entre les balles. Super, bon, je peux acheter le Megazord que j'appellerai tout simplement sèche-cheveux. Mais pourquoi tu vas traîner à côté du mec, gars? Je veux t'acheter un truc, tu traînes à côté dessus, gars. À côté de qui je peux traîner? Je m'intéresse à l'histoire du pirate le Borgne. Oui. Je connais pas. Tiens. Ah. Finalement, vous aussi, vous êtes venu sur l'île Proxima. Des sèche-cheveux. Allez, je vous envoie un à 30 cash. Parce qu'il part mal aujourd'hui. Ça fait un peu cher. Oui, j'achète. Tu viens d'acheter un sèche-cheveux. Sèche-cheveux nucléaire, on le voit derrière. Je m'intéresse à l'histoire du pirate le Borgne. Je connais pas. Je n'ai plus rien à vendre. Quoi, t'avais qu'un seul sèche-cheveux? Sérieux? Un seul sèche-cheveux? Et quand tu te promènes avec un seul cheveu en pensant que tu vas en vendre dans des tonnes? C'est juste n'importe quoi. J'ai amené le sèche-cheveux au monsieur. Là, on perd encore un peu de temps avec cette claque d'égout qui ne sert à rien. Et on y va. Chez l'inventeur. Hop là, bientôt avoir plus de batterie. Tiens ton sèche-cheveux. Je m'intéresse à l'histoire du pirate le Borgne. Ah oui oui, le Borgne, oui, je sais qu'ils ont quelque chose le concernant au musée. Ouais. Alors, tu as trouvé un sèche-cheveux? Ah, c'est magnifique. Et j'en ai pour une minute le temps d'installer le réostat. Réostat, ça c'est du mot quand même. Ah, il faut que je laisse passer, sinon après il va me faire chier. Bon, d'accord, ce n'est pas encore un jetpack, c'est tout juste un protopack, hein, ok, bon. J'aimerais que tu le testes pour noter ses performances. En approchant par une plage en pente douce, tu dois pouvoir voler au-dessus de l'eau, mais attention, sans sauter. Tu acceptes de l'essayer pour 10 cash? Oh oui, c'est royal. Oui, bien sûr. Tu disposes maintenant du protopack. Je m'intéresse à l'histoire du pirate le Borgne. Mais arrête un peu de voir. Ah oui, le Borgne, oui, je sais. Allez, on va tester. Alors, c'était pas prendre un arbre qu'il fallait tester, mais bon. J'ai pas trop envie de partir par là. On va aller par là. On dit une plage en pente douce, tenons pas. Donc du coup il faut que je fasse une mâche. Ça. Ok. Alors. Oui, je sais. Ah. J'ai peur de lâcher parce que si je lâche, il tombe dans le... Ça marche très bien. Bon, le problème c'est que pour passer de l'un à l'autre, c'est pas terrible.
N'empêche, moi, ça me suffira pour... Non, ça me suffira pour... Comment ça s'appelle? Je perds mes mots aujourd'hui, je perds, mais ça me suffira pour le musée. Donc ça va, c'est cool. Tant mieux. Allez, on remonte. Ça, si on peut. Ouais, c'est bon. Et on va courir, on va voir le mec, on va lui dire que ça marche. Ça marche. Et alors, ces essais? Je ne te paye pas pour tester tes chaussures. Je les ai fait. Qu'est-ce qu'il veut? Je viens de les faire. C'est moi ou quoi? Est-ce qu'il y a un autre endroit ici qui pourrait être testé? Ah, peut-être c'est bon. Tac, tac. Ça sert à rien. Hein. Ouch. Je vois pas de quel endroit il veut parler quand il parle des plages en pente douce. Mais pas du tout. Mais c'est moi donc. Ah, peut-être ça. Là-bas. Où non. Veux-tu aller? On verra plus tard. Plage en pente. Où est-ce qu'il y avait une plage en pente douce? Il y en avait une à... Non, pas l'île de la Citadelle, mais... Regardez son DPS. Même pas le temps de respirer, quoi. Mais dès que tu te fais prendre une seule balle, tu es mort. Voilà. Je sais pas où trouver une pente douce, moi.